Salut tout le monde, c'est Aleutuf HD. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. 5 mystères sur FUT15, voilà. C'est comme ça que va s'intituler la vidéo. Donc voilà, 5 choses que vous ne connaissez sûrement pas sur ce mode. Premièrement, les joueurs chinois les gars, c'est un grand mystère sur ce jeu. Vu qu'il y en a un seul. Il joue en D1BLG, il a 65 de général, c'est pas le meilleur non plus. Et il est assez rare sur le marché en plus. Voilà. Donc je trouve ça assez bizarre que les joueurs chinois ne sont pas là sur ce mode, puisque la Chine est un grand pays, donc c'est pas logique. On passe au deuxième point les gars, les instructions. Alors les instructions c'est quoi? C'est par exemple quand vous voulez créer une équipe, vous devez appuyer sur triangle et là vous pouvez donner des instructions à vos attaquants, à vos défenseurs et à vos milieux. Par exemple, les défenseurs, vous pouvez leur donner l'instruction de rester en défense et de ne pas monter. Je pense à Mangala qui a un rendement élevé en attaque et élevé en défense. Donc c'est très utile de lui donner l'instruction de rester en défense. Voilà. Donc on passe au troisième point. Ce sont les joueurs qui se trouvent sur FUT mais qu'on ne peut pas trouver sur le marché de transfert. C'est-à-dire que quand on tape leur nom, ils sont là. Et on peut pas les trouver sur le marché des transferts, donc je comprends pas ça. Par exemple, on a Stéphane Mbia. Là, je vais vous montrer d'autres joueurs, dont Heskey. Là, vous avez un petit Good, je sais pas, j'ai oublié son nom. Voilà, Goudjorsen. Donc, l'ancien joueur du Barça qui est introuvable aussi sur le marché, alors qu'il y est sur FUT normalement. Donc, ça, je comprends pas, les gars, pourquoi ils ne sont pas disponibles sur le marché. Puisqu'ils ne sont pas extinct, hein. Normalement on doit les trouver. Donc il faut poser la question à EA. Donc les gars, on passe à ce chiffre, 6 × 10⁵36, vous allez me dire c'est quoi? C'est tout simplement le nombre d'équipes que l'on peut faire sur Ultimate Team avec tous les joueurs qu'il y a. Donc c'est un chiffre énorme. Un autre chiffre les gars, 4000, c'est le nombre de matchs qu'il faut jouer sans achat-revente pour pouvoir s'acheter Cristiano Ronaldo, sachant qu'on gagne 500 crédits par match et que Ronaldo coûte 2 millions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, c'était Aleutuf HD, prenez soin de vous, bye tout le monde.